Bienvenue pour ce temps de quiz. Nous allons voir si tu connais bien ta Bible. On ne prend pas sa Bible pour y répondre, ni son téléphone, et on ne pose pas de questions aux voisins. Tricher ne te permettra pas de grandir. Interdiction de stopper la vidéo pour y répondre ou de revenir en arrière. Tu auras 10 secondes pour répondre à chaque question. À la fin, tu auras les réponses pour savoir combien de fautes tu as eues. Ensuite, fais ton total sur 10 ou sur 20. Bon quiz. Première question. Il y a combien d'évangiles? 5, 4 ou 3? Deuxième question. Pour qu'une personne soit sauvée, elle doit faire le bien, recevoir Jésus-Christ ou lire la Bible. Troisième question. Qui est la mère de Jésus? Marie, Élisabeth, Marianne. Prochaine question. Dieu s'est reposé au bout de combien de jours? 6 jours, il ne s'est jamais reposé ou 7 jours? Prochaine question. Est-ce que ne pas voler fait partie des 10 commandements? Oui ou non? Prochaine question. Quel animal a tenté Ève? Un lézard, un serpent ou un scorpion? Prochaine question. Par quelle phrase commence la Bible? Au début, Jésus. Au commencement, la terre. Ou au commencement, Dieu. Prochaine question. Combien de disciples Jésus a choisi? 13, 12 et demi ou 12? Prochaine question. Pour être crucifié, le peuple devait choisir entre Jésus et Barnabas, Jésus et Barabbas ou Jésus et Pierre. Prochaine question. Dieu a formé Adam à partir de son souffle, de la terre ou de l'eau? Prochaine question. Est-ce que Jésus parlait en parabole? Oui ou non? Prochaine question. Est-ce que Dieu est gentil? Oui ou non? Prochaine question. Que dit-on de Jésus? Il est le chemin, la vérité et la vie? Le chemin, le pardon et la vie? Ou la vie, la santé et la miséricorde? Prochaine question.
qui est le frère de Caïn? Abdel, Abel ou Adèle? Prochaine question. Comment Marie est tombée enceinte? En s'accouplant avec Joseph, par le Saint-Esprit, ou elle n'est jamais tombée enceinte? Prochaine question. Quand tu as un problème, par quoi dois-tu commencer? En parler, prier ou appeler un pasteur? Prochaine question. Il faut être baptisé au nom de Dieu seulement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom d'une église? Prochaine question. Qu'est-ce que le vieil homme? Notre nature pécheresse? Un vieux dans notre vie? Ou notre vieillesse? Prochaine question. Qu'est-ce que la foi? C'est croire en voyant? C'est croire sans voir ou c'est recevoir? Dernière question. Qu'est-ce que la grâce? La chance, une faveur imméritée ou notre dû? Fin des questions. À toi de faire ton total sur 10 ou sur 20. Mais nous allons tout d'abord donner les réponses. Il y a combien d'évangiles? La réponse est 4. Pour qu'une personne soit sauvée, elle doit, la réponse est recevoir Jésus-Christ. Qui est la mère de Jésus? La réponse est Marie. Dieu s'est reposé au bout de combien de jours? La réponse est 7 jours. Est-ce que ne pas voler fait partie des 10 commandements? La réponse est oui. Quel animal a tenté Ève? La réponse est un serpent. Par quelle phrase commence la Bible? La réponse est au commencement Dieu. Combien de disciples Jésus a choisi? La réponse est 12. Pour être crucifié, le peuple devait choisir entre eux. La réponse est Jésus et Barabbas. Dieu a formé Adam à partir, la réponse est de la terre. Est-ce que Jésus parlait en parabole? La réponse est oui. Est-ce que Dieu est gentil? La réponse est non. Dieu est bon. Que dit-on de Jésus? Il est La réponse est le chemin, la vérité et la vie. Qui est le frère de Caïn? La réponse est Abel. Comment Marie est tombée enceinte? La réponse est par le Saint-Esprit. Quand tu as un problème, par quoi dois-tu commencer? La réponse est prier. Il faut être baptisé. La réponse est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le vieil homme? La réponse est notre nature pécheresse. Qu'est-ce que la foi? La réponse est c'est croire sans voir. Qu'est-ce que la grâce? La réponse est une faveur imméritée.